Le but de cet exercice est de circonscrire l'incendie déclenché dans le bac B17 de la GESTOSI, société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Une fois le feu signalé, l'équipe interne de sécurité incendie procède à l'évacuation du personnel hors du site. Très rapidement, des cellules de gestion des opérations sont mises en place pour coordonner les interventions des agents de secours sur le site sinistré. Nous avons le DOI, qui est la direction d'opérations internes, qui est la partie de conception de tout ce qui est la lutte contre le feu sur le terrain. Ensuite, nous avons le PC, qui est le poste de commandement, là où est définie toute la stratégie d'intervention au niveau des installations que nous proposons au niveau du DOI qui valide. Nous avons les agents qui sont sur le terrain, qui sont à cheval entre la partie interventionniste et la partie, disons, PC, conception des différentes stratégies pour l'extinction du feu. Et en une temps, nous avons pu constituer le feu. Cet exercice, selon le directeur des opérations, Christian Elogne Eba-Coutouin, vise à évaluer la compétence interne en matière de lutte contre les incendies et tester également le matériel mis à disposition pour des interventions de première nécessité. Aujourd'hui, c'est l'exercice grandeur nature qui nous permet donc d'anticiper, de faire en sorte que nous soyons nous-mêmes sûrs de nous en cas de sinistre. Comment nous sommes outillés? Est-ce que nous avons les moyens de faire face efficacement à un feu? Plusieurs acteurs de sécurité incendie sont associés à cet exercice. Ils apportent un secours supplémentaire pour contribuer à circonscrire le sinistre en cas de besoin. Une fois le feu maîtrisé, une conférence de presse est organisée et chaque acteur devra faire des observations et proposer des aménagements pour l'exercice futur.